Salut à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Summon puisque c'est lundi et que le lundi c'est Summon Day. Alors attention, c'est parti! On se retrouve sur le compte d'Eclipse. Eclipse, comment vas-tu? Ouais, toi? Mais ça va bien, les amis? C'est compliqué cette semaine, hein. C'est très compliqué. Hein. Il n'est pas tout seul, il est là avec... Avec son cousin, comment vas-tu le cousin? C'est quoi ton pseudo d'ailleurs, le cousin? Comment je t'appelle? Moi c'est Mister Family de Cannes et ça va très bien toi. Il fait le malin là, mais il a du mal avec Discord. Il est un peu perdu. on l'utilise pas. Donc on a eu du mal, mais ça y est. Oh dis donc, eh, chez toi c'est super beau Eclipse. Hein. Oh dis donc. Eh. Ah, il manque de ski encore. Franchement, c'est ultra beau. Très joli, très joli déco. Eh mais attends, mais t'es paysagiste dans la vie ou c'est ah quoi non, c'est... Non. C'est fou, c'est super beau ce que t'as fait. Franchement, insane hein. Alors. Non, bah je me suis un peu aidé de certaines îles, on va dire. Ah ok, tu t'es inspiré, mais franchement c'est super beau. Alors du coup par contre c'est un poil chargé. Mon émulateur va probablement décéder, hein. Mais ce qu'on fera c'est que je pense on va déplacer juste pour le temps de la summon le Stonehenge sur une île où il y a rien, hein. Voilà, comme ça je pense que on sera plus tranquille pour la summon. Mais en tout cas GG, vraiment c'est très joli. Bon. Allez hop, ça c'était le petit quart d'heure Valérie D'Amido, hein, spécialiste de la décoration, pas de problème. Hop, on a marouflé son île, hein, je vois que Eclipse, il a pas rigolé sur le papier peint. Et le homestaging. Allez, voyons voir un petit peu ton profil maintenant, parce que la déco c'est bien joli. Ah, attendez voir, il y a un petit wish. Boum. Allez, le petit wish. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur le monstre là. Non, c'est vrai? Et c'était qui? Ouais, mais très... Vagabond, là, vent. Ah bah super. Éveillé. Super. Moi j'en ai chopé deux, des hauts. Alain, éveillé aussi. Ah, j'étais ravi, hein, évidemment. T'es ravi, quoi. Putain, c'est ça, quelle ouais. Horreur. Quel enfer. Alors Eclipse, voyons voir ton profil. Voyons voir. Monsieur joue depuis 1496 jours. Dans 4 jours, t'es à 1500. C'est beau, ça. C'est ça. Ouais. C'est un arène, un peu d'arène world, un peu de league spéciale, double S en boss des mondes, ce qui est plutôt pas mal. Teoa hard, ça maîtrise, de très bons temps en Kairos, du triple S partout. Voilà, bah c'est un peu le boss quoi en fait. Très bien, très joli compte, y a pas de souci. Ouais, bah parfait, écoute. Eh, y a pas grand chose à dire, hein. Y a clairement pas grand chose à dire. Très joli compte. On va jeter un petit coup d'œil à la box. Alors attends, voir la box passe. Alors du coup, le stone. Allez, là. Hop, il est là. Boum! Ok, on a une Beth, d'accord, Mina, Bolverk, Abelio, Joséphine, Bastet, de Wusa, carrément de Wusa, Chandra, Ariel, Chiwu, Anavel, Praa, Taor, Vérad, ça ne s'arrête jamais, Camille, les jumelles O, on a Ophélia, on a Daphnis, un autre Chiwu, Raki, deux Vélagiel, deux Vélagiel, on dirait mon compte, Mewang, ah, c'est ouf, hein! Laika, Juno, Zeros! Ah, bah non, c'est pas mon compte! Oberon, les jumelles feu! Odin! Oh purée, mais ça ne s'arrête jamais! Louise, Diana, Fenyang, Hathor, Tiana, Ritesh, Zinze, Léo, Charlotte, Lagmaron, Téchard, Christina! Ce compte insane! Amarna, regardez-moi ça! Tableau Amarna dans les Dark and Light! Faye, oh là 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 là, bah dis donc, bon lui mais bon voilà, c'est très belle box, hein. Très joli compte, hein. Ouh, impressionnant, hein. Oh. J'ai eu pas mal de doublons aussi. Ouais, bon bah ça, bon, c'est notre lot à tous, hein, tu sais, mais vraiment très belle box, magnifique. Allons voir maintenant ce que tu nous as mis de côté. Ça va être difficile, hein, cette semaine, ça va être très difficile, hein. Waouh, il y a 20 légendaires. Ça va être énorme. Ça en fait combien ça? Ça en fait 14, 49. Oh là 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 là, 49 Dark and Light. La pression est énorme. Quasiment une centaine d'élémentaires et 374 Vela mystiques. Mais pas de béné.
Non, non, mon dernier c'était Velajuel et je l'ai monté 40. Eh bah voilà. Bah écoute, eh, très joli compte, très belle box, belle avancée, très beau. Bah du coup maintenant ça va être hyper dur de te choper quelque chose. Je veux dire, mais bon. Comment, qu'est-ce que tu... Enfin voilà, tu places la barre très très haute, hein. Il y a tellement de monstres que j'aimerais bien avoir aussi. C'est vrai ? Ah bah vas-y, dis-moi. Eh. Perna, Ganymède, ouais. Tyra, et puis... Et un petit Jamir pour aller avec ton tableau aussi. Ouais, mon tableau il est pas ruiné. Bon, mais c'est pas grave en vrai, c'est pas très très grave, mais un petit Jamir à jouer avec tableau. Oh, Jamir, tableau, Bastet, Luchen par exemple, ou Julie, enfin des choses comme ça, il y a... Oh là là, il y a tellement moyen de se régaler. Très très bien. Niveau 4 nat par contre, tu m'as l'air plutôt bien. J'ai... Attends voir. J'ai pas vu de Skogul ou c'est moi ? Si, je l'ai Skogul. Ah ok, d'accord, d'accord. Ok. Bon bah très bien, bah écoute en vrai... Je sais pas, alors peut-être du skill up 4 nat, il y a peut-être du skill up dans les 4 nat qui te manquent, les jumelles peut-être, je dis ça. Ouais, pour la deuxième Talia, ouais. D'accord. Je fais ce que je peux pour essayer de trouver quelque chose à t'invoquer, hein. Ouais, c'est plus de 5 nat après 4 nat. Ah là là, quelle box incroyable. Bon, allez, on est parti pour une énorme summon. Là, on a... statistiquement, hein, on va partir là-dessus, hein, on va se dire 2 nat 5... sur les vélins mystiques et élémentaires. Allez, c'est parti, on croise les doigts. Hein. Oh bah regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça? Bah déjà c'est sûr que tu peux plus m'invoquer Sigmarus, ça c'est sûr. Oui, ça t'était déjà arrivé ou... Bah c'est toi qui m'avais invoqué Sigmarus. Mais non, c'est vrai? Omeldon. C'est vrai, mais c'était il y a tellement longtemps. Omeldon à Paris? Ou Omeldon à Lyon? Omeldon à Paris alors. Oh là là, mais c'était il y a tellement longtemps, trop cool! Ouais. Oh ah, là, il faisait pas ça sur le moment, je pense. Ah, c'était horrible, mais putain. Là, y a plein de joueurs hein, qui ont pas connu cette époque. Hein. Vous êtes bénis, vous vous rendez pas compte. Ah ouais. Oh là là, je t'avais invoqué Sigma, je suis désolé. Je suis désolé. Et Rakshasa Dark aussi, tu m'avais eu. Et Rakshasa Dark, ouais. Elle avait déjà été en HOH ou pas encore à l'époque? Oui. Elle avait déjà été. Ah bah super. Donc en fait, tu me détestais depuis tout ce temps, tu... Non. Non, parce qu'après, je me suis un peu rattrapé, quand même. Ouais, j'avoue que ton compte, il est vraiment beau, hein. Pff, aïe, aïe, aïe. Oh, c'est... Ah oh là là, cette époque où on pouvait invoquer les fusions, quoi. Bon, après, j'ai été aussi victime, hein. On se souvient tous de... Voilà, hein, Gigi, hein, merci. Ouais, le frérot, le poteau, qui m'avait invoqué un panda feu. Voilà. Ça faisait très très mal. À l'époque, bah ouais, on pouvait invoquer les fusions. Vous vous rendez pas compte, hein. Comme vous avez de la chance. Et à l'époque, en plus, c'est qu'il n'y avait pas de béné, quoi. Ça servait vraiment, vraiment à rien. Bon, alors les fusions, on peut pas les faire en béné de toute façon. Mais vraiment, choper un doublon nat 5, bah, c'était juste un événement, quoi. Oh, quel enfer. Quel enfer. Ah là là. Ah ouais, purée, alors... Oh. Depuis le Meldon à Paris, oh là là, tellement bien. Et on s'était bien éclaté. C'était... Ouais, il faisait un peu chaud. C'était chaud, hein, voilà, on s'en souvient de ça, hein. Ça, on risque pas de l'oublier. Il faisait à peu près 300 degrés, à peu près, hein. On était bien cuit, hein, à la fin de l'event. Oh putain, quel enfer. J'étais à Essoré, mais par contre, c'était vraiment chouette. On s'était vraiment bien amusé. En plus, j'avais gagné le concours VIP, là. Mais non. Putain, cool. Du coup, j'avais l'hôtel et tout payé. Ah là là, bah oui. Offert par Amazon. Bah voilà, pour raconter, on raconte un petit peu tout. Hein. C'est vrai que Amazon, ça a été les premiers à organiser des events sur Summoners War. On se souvient du premier tournoi. Le premier tournoi qui a eu lieu sur Summoners War, c'était au Mobile Master à New York. Et si je dis pas de bêtises, c'était en juin... ou en juillet 2017, et il y avait Gigi, il y avait moi, Gigi et moi, on y était allés, et c'était un tournoi invitational, donc c'était pas un vrai tournoi, c'était un tournoi avec des influenceurs, il y avait YDCB, il y avait Foi, il y avait tous ces gens-là, un peu la première génération, on va dire, c'était trop cool, et ils avaient organisé, donc avec nous, à l'époque c'était SWFR, notre web TV, hein, la web TV que j'avais créée, et ils avaient organisé cet event Omeldon à Paris. Oh,
Et ils avaient offert bah ouais, des VIP, des gens, ils avaient fait des concours, et ça les... ils les faisaient venir, payer l'hôtel et tout. Ah, oh, c'était trop cool, hein. C'était vraiment ouais. Cool cet event. Ouais, c'était pas mal. C'était... Il va y en avoir encore, hein, des events avec Amazon, il y en a régulièrement. Juste avant Noël, là, il y a eu un tournoi RTA organisé par Amazon. Il y en a eu un aussi ce week-end sur la chaîne Radio Noob, sur Twitch, avec bah, la team, hein, Balou. Enfin, je dis ce week-end, mais c'est vrai que le temps que la vidéo sorte, avec Balou, Papa Geek, toute la team, ils ont commenté le tournoi. Moi, je vais aussi en faire un. Petite news là, je sais pas si je l'aurais annoncé d'ici là, mais je pense il y aura un tournoi pour les 6 ans de Summoner's War, donc là au mois d'avril. Donc voilà, c'est cool, c'est très très cool en fait Amazon de pouvoir bah voilà, d'organiser comme ça des events de temps en temps. Ça fait plaisir. Bien. Ça fait bien aussi. T'as refait d'autres events IRL depuis ou pas? Non. Pendant un moment, j'avais arrêté un peu Summoner's War et après j'ai repris et j'ai pas... Ouais, alors, il y a plein de gens, hein. Il y a plein de gens. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est au SWC l'année dernière, il y a eu un énorme retour sur le jeu. Les gens, souvent, tu vois, ils jouent, ils arrêtent, ils jouent, ils arrêtent, mais voilà. Mais là, ça a été vraiment impressionnant au SWC l'année dernière. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Ah bah maintenant, je reprends le jeu et tout », et c'était assez impressionnant. Bon, on va aller se faire de la place, et on revient tout de suite. Allez, 269 vélins mystiques encore, on en a fait une centaine, on a eu que 5 étincelles sur ce premier jet de vélins. C'est un peu en dessous, hein, il faudrait peut-être que ça se réveille, là, les vélins. Voilà, bah c'est très bien, ça se réveille, c'est parfait. Une petite Miyong. C'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai fait une... On va pas dire une grosse semaine, mais j'avais invoqué 100 vélins, je crois, c'était au mois de décembre. Bah, quand t'as 100 vélins, tu chopes 3 étincelles. 3 étincelles en 100 vélins? Ah ouais, là, c'est vraiment pas beaucoup quand même. Hein. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Là, on est en dessous, on est à 5, on devrait en avoir 8, donc on est un peu en dessous, mais 3 3, c'est... Ouais, là, c'est terrible quand même. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment terrible. Ah bah, ça fait mal. Bon, après, ça va, le 25 décembre, jour pour jour, j'ai chopé Odin sur les pierres exclusives. Ah, ça, c'est bon, ça. Allez, c'est bon, ça. Ouais, tu peux lui dire aussi la chance que t'as, quand même. Oh, putain. Ouais, la chance. Ah, on verra après, arrêtez de spoil. Là, pour le moment, on fait la Summon d'Eclipse, et ensuite, et c'est pour ça qu'ils sont deux, hein, ils sont cousins dans la vie, on fera la deuxième Summon qui sortira la semaine d'après, et ne spoilez pas, les amis. Chut, non, chut. Chut. On va garder un peu le secret, le mystère. Hop, ça. Et après, on comparera les deux semaines un petit peu, voir si s'il y en a un qui a plus de chance que l'autre. Pour le moment, ok, les étincelles reviennent. Ça, c'est cool. On attend toujours le premier Nat 5. Allez, allez. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas invoqué un Perna. Un petit Perna me ferait bien plaisir. À toi aussi, j'imagine. Ah bah oui, largement. Bah, à tout le monde, je crois. Allez. Ah, ça tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Eh bah, Wai. Après Miyong, on a Wai. Ah. Les danseuses du ciel, ça, c'est... J'en ai plein de face. Ah ouais, non mais c'est... Oh oui. Oh, oh non. Oh non, ouais, je l'ai déjà. C'est un doublon. Ah, tu me la donnes. Il te manquait que Etna dans la famille. C'est puisque, ça, ouais. Ouais, t'as Beth et Raki que tu avais déjà. Bon, eh bah écoute. Ok, premier Nat 5 qui tombe. On va en faire une bénédiction, c'est terrible, je le sais, je suis désolé hein, pour vous, les amis. On va foutre une Raki, c'est moche parce qu'elle est vraiment très forte. Vraiment, vraiment, elle est devenue très forte et très très bien. Donc, c'est triste, c'est moche, mais c'est comme ça. Hop, allez. Après, il a beaucoup de Nat 5 aussi. Eh, mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Donc là, maintenant, au moins, on a une béné, on est prêt. Prochain Nat 5. On a la béné. Allez. On aura le choix, quoi. On aura le choix. Alors, on n'espère pas un double doublon. Parce que malheureusement, ça peut arriver aussi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais au moins, on pourra choisir. Allez. Bon, j'avoue, quand j'ai regardé ton live, Mana, là, cette semaine, quand t'as dit que t'avais déjà fou d'un Perna, j'avoue que mes oreilles, elles ont un peu saigné. Eh oui, j'ai fou d'un Perna. C'est terrible, hein, c'est terrible. J'en ai parlé, mais... Il y a des monstres comme ça, ils sont tellement forts, c'est... Je sais pas, mais malheureusement, vu
mon compte, je connais mon compte et je sais que je vais pas full skill de perna, je vais pas ruiner de perna, j'arriverai pas quoi, j'arriverai pas, donc du coup c'est triste, c'est malheureux. Et de toute façon, j'en ai encore un autre. Donc... Ah oui. Donc voilà, mais ouais, ouais, fou d'un perna, ouais, c'est terrible, je le sais. Désolé, hein, pardon. Pardon la commu, je suis désolé. Hop, mais bon, après, je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'il y a forcément des gens qui ont déjà foot, je sais pas, des Mons God tiers, un Fenyang, ah, un je sais pas, un Ritesh. Bon, Ritesh, c'est peut-être un peu moins maintenant, mais un Vérad, voilà, ce genre de monstre. Parce que, bah, ouais, t'en as deux, et qu'est-ce t'en fais, quoi. Malheureusement, tu peux... C'est vrai. Bon, voilà, quoi. C'est vrai. Je suis sûr que je suis pas le seul, hein. Hein, je vous vois, là, je vous vois dans le... dans les commentaires, hein, vous allez me dire, ouais, moi j'ai foot ci, moi j'ai foot ça, j'en suis sûr. Des Eros. Eh, voilà. Il y a bien des gens qui ont foot des Tiana à l'époque où moi je ne l'avais pas. Il y a bien des gens qui ont foot des Eros alors que je ne l'ai toujours pas. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. C'est triste, hein, c'est malheureux parce que bah, nous on ne l'a pas sur notre compte et que bah, y a des gens, ils en ont tellement qu'ils les foutent pour en faire des bénés. Mais bah, c'est la triste ouais. réalité de ce malheur soir. Après, maintenant c'est plus rentable quoi. Ah, maintenant c'est clairement plus intéressant. Hein. C'est sûr qu'avant ça faisait beau hein, sur ton île d'avoir ouais, 3, 4 pernas. C'était superbe, hein, magnifique. Ça servait à rien. Maintenant on peut voilà, vraiment en faire ça. Quelque chose. Après, je dis pas que. On peut pas monter des doublons. Je veux dire, typiquement, j'ai monté comme toi. Hein. J'ai monté 2 Vélajuel, j'ai monté 2 Woussa. Parce que à l'époque, hein, quand Fran n'était pas là, on n'avait jamais trop d'immunité. Hein. On n'a jamais trop d'immunité en PVP, en siège, en GVG. Donc du coup, j'en avais monté 2. Mais voilà, maintenant il y a Fran. C'est vrai que c'est un petit peu plus simple. On a une immunité. Tout le monde, hein, tout le monde a au moins une immunité. Donc c'est déjà un petit très, peu très plus simple, fort. Ouais. Mais bon. Oups. Allez, allez. Yes. Pas du tout. Ah oh là 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 là. J'espère que le deuxième Nat 5 va nous régaler. Parce que, alors, le premier, hein. Ah, oh, la petite Raki. Tu la joues, Raki? Très bien, hein. Très bon monstre, hein. Mais. Raki, non, je la joue pas. J'ai pas ruiné. Ouais, c'est tellement c'est... de monstres à ruiner. C'est très PVP. C'est très PVP. C'est très late game. Puisque. En plus, particulièrement dans le PVP, c'est plutôt RTA, donc encore vraiment très très late game. Mais en tout cas, en ce moment, elle est vraiment très forte, vraiment très méta, avec tous ces monstres hein, qui raise et tout. Ces Mio, ces choses comme ça. Oh là là, mais les étincelles qui reviennent et qui régalent. Hop. Magnifique. Est-ce qu'on va réussir à battre le record Trois étincelles. Allez. Petit Covenant. Quatrième? Ah bah non. Putain, on a cassé la chaîne. Oh merde. Mais c'est un fake. Un fake, voilà. Yes. Ah si, ouais, du ce qu'il a pas comme Nantes, ça serait pas mal aussi, ouais. Ouais, bah écoute, voilà. Suffit de demander. Alors... Après, du skill up jumelle, ça pourrait être utile, si au cas où il chope la Dark Boomerang. Oui, aussi, ouais. Ça pourrait être... Ah ça, là, du skill up jumelle, t'en as jamais assez, en vrai. T'en as jamais assez. Oh là là, moi j'en joue beaucoup en plus, alors c'est compliqué. Allez, dernière place, pas d'étincelles, on s'est bien rattrapé en tout cas sur les 4 nats. On a eu notre premier 5 nats, c'est très bien, on va faire un trou au stockage et on revient. Allez, 168 vélins, mystique, on est très bien pour le moment, les étincelles elles y sont, on a eu du skill up Covenant, on a eu du skill up Talia, on a eu notre premier nat 5, tout va bien, sauf que c'était un doublon. Du coup maintenant on a une béné. Alors on a hâte d'avoir notre prochain Nat 5. Allez, et de pouvoir on choisir. On espère quand même qu'il clair. Repartira pas avec la béné. Oh, arrête. Oh, c'est tellement frustrant. Bon après il y a 20 légendaires. Dans les légendaires, président mana, attention. T'as déjà eu quoi alors Eclipse? Dans les légendaires, j'ai dû avoir un 5 nat depuis le début du jeu. Ah bah, c'est moi qui lui ai été. Oh là là. On avait vu là. On avait vu, oh, hein, le petit freeze, là, vous aviez vu, hein, de la béné qui claque, et bah le voilà, ce Nat 5. Bon bah Zinze, tu as déjà, hein, oui. et puis Macha, hein, c'est un petit peu fort, allez. Macha, c'est un bien petit bon. Peu fort, Macha, alors du coup, on va partir allez. Sur la Beast Rider feu. Oh, bah c'est la première que j'ai du compte, du coup. Eh bah dis donc, tu vas pas regretter, hein.
Elle a tout son avantage. En plus d'être belle, elle est en plus d'être forte, elle est belle. Ouais, elle est vraiment cool. Elle est Elle est vraiment bien. super Toutes jolie. les trois sont sympas. De toute Ouais. façon, les trois sont bien. Yes! Et bah voilà! Très très bien cette semaine! Parfait. On a notre deuxième Nat 5 et on a encore plein de vélins, les amis! Et j'ai vu, c'est insane sa Ah bah vitesse. tiens, c'est bien. Sa vitesse à elle, c'est insane. Je crois qu'elle a 121 de vitesse, je crois. Non? Oui, De elle a un base? awake vitesse, donc c'est. Elle a 123, C'est. non, si je dis pas de bêtises. Voilà, Attends. ou un truc comme ça. 122 C'est ou insane. 100. Enfin, beaucoup. Voilà, elle a beaucoup. Ouais, C'est des beaucoup! monstres Elle a beaucoup trop! qui se jouent justement rapides. Hein. Plus ils sont rapides, plus. Bah, déjà, ils vont jouer en premier. Hein. Et en plus, ils vont faire de plus de dégâts. Donc, non, vraiment, elle est ultra bien. C'est cool. C'est très très cool. Oh, cette belle summon. Bon, bah, par contre, du coup, on a plus de béné, voilà. Hein, plus de béné. Ouais, soulagé quand même, quoi. On J'espère s'expose protect. à un J'espère que tu me voles doublon pas toute sur le ma chance, prochain. hein. Yes! Yes! Ah, petit Barretta. Allez, allez. Ah, oh, yes, les étincelles qui sont là, elles sont au rendez-vous. Et non. Boum! Troisième Nat 5! C'est pas la Yes! bonne couleur. Oui, c'est pas la bonne couleur, désolé, désolé, pardon, pardon, je suis navré. Mais c'est pas un doublon! Si, c'est un Hé! doublon. C'est un doublon. Ah merde! Oh C'est ça. non, je me souvenais plus! Sérieux, tu l'avais. Oh non! Téchard, je venais Téchard. Putain! Ah, je me souvenais plus, je l'avais pas vu! Si, si. Merde! Oh! Non, mais là, tu te rends compte, Protect, que t'es en train de me voler toute ma chance! Oh, c'est terrible. Ah, bon, après, t'en as beaucoup, hein. T'en as beaucoup, c'est difficile. Je le savais que ça allait être difficile. Bon, on va pas foutre machin, on fait bien attention, hein. Tu veux pas un deuxième Téchard, on est d'accord, hein. On Non, part sur ouais, une du coup. béné, Oui. hein. Oh, terrible. Écharpe très très. Ok, bon. Ah là là. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Bon, allez, on a 7 bénés, encore 133 vélins. Troisième nat 5, hein, mine de rien, on est très au-dessus des stats. On est très Alors, très bien. bien. On est très bien, très belle summon. Alors qu'on avait On mal part. commencé. Ouais, On alors part à pas de que, la bon. chance, hein. Allez, il reste encore largement, très largement, de quoi avoir de belles surprises. On continue. Allez, Allez, allez. encore un petit Nat 5. Je le vois bien, je le vois bien. Hey Ah Mana, moi j'ai là envie de dire, sur ton live de semaine de guild de mardi, t'as pas eu tes 10 Nat 5, là tu dois les avoir. Sur nos 2 semaines, tu dois avoir Ah, les 10 Nat 5. on avait visé un peu haut, hein, on avait visé un peu haut, on avait eu 10 la dernière fois, on s'est dit, hé, hey, 1500 vélins, on va refaire 10 nat 5. Non, bah, on n'a pas réussi deux fois d'affilée. On avait visé un peu haut, mais bon, bah voilà quoi, ça arrive. On n'est pas fini à loin, on a Oh, fini à 7, je crois, donc il faut c'était toujours pas y mal. croire. Allez, l'étincelle, il y a eu un lag là. Ouais. Mais oui, il y a eu un Mais lag! Mais non, oui! mais non, mais non. Ah, Alors, quatrième, moi je partirais quatrième, plus Nat sur 5. ouais, Hein? ça mate. Bien sûr, le lit Bah oui. 33, bien Bah oui. sûr, évidemment. T'es sûr que tu veux pas le démon? T'avais Non, non. pas de lit 33 en vrai? Attends Si, voir. si j'en avais un. T'as Vanessa? Ouais. Ok. Bon, bah maintenant, t'en as deux. Ça. En arène, je préfère Psamath à Vanessa. Moi aussi. Mais Ah, que donc. je sais pas, mais avec Bah Xeros, voilà. ça sert à rien, quoi. Eh bah voilà. Eh bah écoute. Allez! Quatrième Nat 5 de cette semaine. On est beaucoup trop bien. On est beaucoup trop bien. Oh J'ai un là peu dû là. passer en premier au final. Oh là là. Ah bah ça, hein, il aurait fallu que tu te souviennes de tes logs. Ça, c'est un autre C'est problème le. encore. Allez! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh Il là mérite, il là. mérite. Il mérite Quatrième certains nat genres de 5, vous vous jeu. rendez compte? En 300 vélins? Un peu plus de 300 vélins là. 4 Bah, nat 5, il c'est ouf. mérite. Deux de plus que prévu, quoi. Et non. 4 notes 5, et c'est pas fini. 101 vélins mystiques et non pas dalmatiens, attention. Et on est reparti! Est-ce qu'il va y avoir Allez. la malédiction des 3 étincelles comme pour moi? Et j'espère pas. Normalement, c'est 8. Hein. Et voilà la première. Voilà la première. Et un autre Ok. 5, allez. Trévor. Ah non. Très bien. On continue. Allez, allez.
Normalement, sans vélin, c'est 8 éteints. Bah voilà la deuxième! Allez, petite roi. On continue. Ah, on a vraiment eu beaucoup d'étincelles. Et ça, c'est cool. 4 nat 5 pour le moment. Et voilà la troisième. On est très très bien. 4 nat 5 pour le moment. C'est ouf. Ça, franchement, c'est assez choquant. Et puis, Macha Psamat. Oh. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Du skill up pour Amarna ou Kumun, je sais pas. Les deux sont full skill. Les deux sont full. Oh, peut-être monter un deuxième Kumun, je sais pas, on verra. Ok, bah sinon après en vrai, Avarice, Yunu, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, je trouve que c'est des monstres pas inintéressants. Oups. Moi j'ai chopé le vent, je sais pas ce qu'il fait. C'est Yunu, il raise. Quand tu le tues, il revient à la vie. Et il se buffe l'attaque et donc il envoie des gros taquets, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on continue. On est bien, on est bien. Allez, les étincelles. On en veut toujours plus. Yes. Bah, j'ai arrêté de les compter parce qu'il y en a tellement là. Oh, encore bah. Italia. C'est ouf. C'est bien ça. Ça, c'est du skill up qu'on veut, ça. Je sais qu'il y a une semaine de je me suis fait invoquer par Papa Geek aussi. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a chopé? Il n'y a même pas eu de nat 5 sur 200 et quelques vélins. Oh, il fait pas d'effort quand même. Papa Geek. Il m'a eu la boomerang light. Ah, ah, d'accord, ok, ça va, ça va. À une couleur près. Ça va. Après, elle est forte aussi. Hein. Ouais, elles sont toutes sympas. En vrai, elles sont toutes sympas. Moi, les jumelles, je les veux toutes. Je les veux toutes, quoi. Je les trouve vraiment toutes sympas. On a, voilà, on s'est fait offrir des skins en plus. Elles sont jolies. Ouais. Voilà, elles ont du potentiel en PVE, du potentiel en PVP avec Martina. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ces jumelles. Les gens ont très mal vécu leur nerf, mais honnêtement, il y avait besoin. Ah, elles sont toujours bien. Fort. Elles sont toujours très présentes. Hein. On les voit partout en PVE, en PVP. Donc non, franchement, c'est vraiment une belle famille de monstres, enfin deux belles familles de monstres pour le coup. Franchement, quand on chope des jumelles, on peut les considérer comme des 5 nattes quand même, tellement c'est fort. Ah, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Je chope quand même beaucoup plus que les 5 nattes. Oups. Allez, allez. Après, je sais pas pourquoi, mais les vents, je les vois jamais, les jumelles. Alors, elles sont un petit peu en dessous, effectivement. Elles sont un petit peu en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans la famille en vent? Eh ben, il y a Lucène. Donc, là où tu voudrais jouer un Nucker vent. Bah t'auras plutôt tendance à sortir un Lucène que sortir les jumelles vent quoi. Je sais pas, typiquement en GB10, bah voilà, ok, bon bah on va sortir Lucène, il va cleave les vagues, et puis on sera bien quoi. Les jumelles vent, bof quoi. Tu vas sortir Talia Sabrina, et puis Lucène quoi. Non vraiment, y a pas un vrai intérêt. Avant évidemment quand elle... bref, tant pis. Mais je pense que peut-être qu'elles reprendront un petit up un jour, les vents. Parce que c'est vrai que pour le coup, elles sont vraiment pas jouées, quoi. En tout cas, plus. Allez, allez! Allez, petite étincelle encore, là, avant d'aller au stockage, s'il vous plaît, quand même! Bon, j'avoue que sur ton live de vendredi, qui était d'ailleurs très beau, le petit empereur des foudres light... Ouais, alors lui aussi, il aurait besoin d'un petit up, hein. Ouais. S'il vous plaît, comme toi, faites quelque chose! Je pense aux gens, hein, qui... Voilà. Gelnir là. Bon, allez, les derniers vélins mystiques, les 19 derniers. Oh là là, on est trop bien sur ces vélins. 4 nat 5 pour le moment. Il reste encore tous les vélins élémentaires. Il restera les 20 légendaires et les 49 Dark and Light. Il y a encore largement de quoi se faire plaisir. Hop, on continue. Allez. Les étincelles ont été là, hein. Elles ont été présentes, hein. Franchement, régalé. Hein. Du skill up Covenant, du skill up Talia. Non, ouais, Chakram, ouais. Oh, et ça continue. Je crois que t'as des 8 là. Hein. Oh bah oui, là, en vrai, je compte même plus, quoi. Il y en a tellement. Ouais. Pas mal. Hein. Il y en a tellement. Ah, pas de skip, qu'est-ce qui se passe? On a cassé le Stonehenge à cause de tous ces Nat 5. Et non, dernier vélin mystique, pas d'étincelle. C'est pas grave, franchement. Sur, il y en avait combien? 300 et des poussières? 4 Nat 5. 74, ouais. On est, pff,
On est tellement au-dessus des stats, c'est vraiment, vraiment choquant. Allez, on continue. Level 1 de l'eau. Il quand même. Hop. Ouais, c'est... Tu viens de détruire totalement les stats. Allez, encore du skill up pour le Covenant. Très bien, ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait choper en vent? Syrah. Ouais, Syrah. Syrah Jamir, c'est vrai. Il y a aussi... C'est qui Jamir? Jamir, c'est Dragon Vent. Dragon Vent. Après... Ah oui. Mince. Ganymède. Ganymède, oui, bien sûr, qui était sur ta wishlist. Bien sûr. Aïe, 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 pour le moment, on a eu qu'une seule étincelle. Par contre, là, c'est un peu faible, hein. Allez, la deuxième, là. Allez, on va bien avoir une petite deuxième, quand même. Alors... Ça veut pas. Yes! Ah, si, voilà. Étincelles. Eh ouais! Oh! Mais non, là, là! Oui, mais non! Oh putain! Je vous l'avais aussi, oui. Oh, c'est 5, insane. Hein! 5ème Nat 5! Mais c'est quoi cette summon? Et puis c'est Taranis, quoi! C'est vrai qu'on l'avait pas cité! C'est vrai, Ganymède, Jamir, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, dites donc? Ouais, bah après, il y a tellement de mobs qui bien aussi. Que... Taranis, mais tellement fort, tellement bien! Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette semaine? Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Eclipse! Qu'est-ce qui se passe sur ton compte? C'était le dernier vélin vent, hein? Ouais. Eh, dernier vélin vent. Jusqu'au dernier vélin, il faut y croire, vous avez vu? Oh, là, on est sur les feux. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Je ne sais pas. Perna? Allez, étincelle! Il est là! Allez! Bah non, pas du tout. Bon, moi j'arrête d'y croire, c'est bon, je suis. Oh là là, cette summon! 5 Nat 5, c'est. Moi j'arrête de donner ma force, je vais la redonner au niveau des Dark Je vais la garder Light, pour moi! Non, 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 je suis pas comme ça, je vais lui redonner ma force au moment des Dark and Light. Je voudrais bien qu'il ait son Nat 5 Dark and Light. Oh là 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 là. Elle est très 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 belle cette summon, elle est incroyable! Ah bah, nouveau après, jouet, hein, nouveau jouet sur le compte. Oh, non mais franchement, pour que vous vous rendiez compte, les nouveaux jouets, Psamat, Masha, Taranis, vous vous rendez compte? Ouais, là, c'est... Oh, que des, oh là là, que des gouttières et ça continue, étincelle. Non, ouais. Hey, j'ai cru, j'ai vu des ailes. Oh mais, je pense qu'au moins un quart de ta communauté qui ont pété leur écran de l'ordinateur là. Hein. Poulet. Ouais, mais non, mais non. Ah, belle semaine là, franchement, très très belle. Et ils ont lâché là. Après, ouais, j'ai eu pas mal de doublons ces derniers temps. Mais après, j'ai eu Diana qui a un peu rattrapé tout ça. Mais... Ouais, Diana dernièrement mais... Ouais, Diana, c'était au mois de décembre. Ok. On l'a eu en même temps. Je crois qu'on l'a eu le même jour. Un mois après, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Allez, il reste encore quelques places. Quelques vélins d'eau. Allez, allez. On a pas une autre perna. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en eau là? En eau. Il y a quoi en eau que j'aurais besoin? Petite Amélia. Amélia, ouais. Allez, encore 22 vélins. Oh, c'est parti. Allez, allez. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière surprise? Ça serait ouf quand même. Hein. En vrai, ça serait. Ça serait choquant. Ça serait un peu choquant. C'est bon. C'est bon, ce n'est que kebab. Ça va. Ça va. C'est pas Sigmarus. C'est pas Sigmarus. Ah, oh, ça t'a choqué, ça. Ah, là, je t'ai blessé. Là. Je sens que je t'ai blessé. Hein. Ouais, je t'ai bien attrapé, là. C'est... Ouais, hé, tu m'en veux plus. Ah non, ça va. Ça va, là, franchement. Bon, après, t'as oublié de dire un détail. Il avait invoqué quoi? 100... Combien de vélins? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Oh. Ça fait au moins minimum 3 ans. Je crois Et j'en avais fait tellement des summons à ce moment-là. Oh. Ah, c'est super cool, je trouve ça génial. À chaque event IRL que je fais, j'adore les events IRL. J'adore vous rencontrer, j'adore rencontrer la commu et tout, c'est tellement cool. Et les gens, bah voilà, ils veulent que j'invoque sur leur téléphone et tout. Des fois, à Lyon d'ailleurs, à Lyon l'été dernier avec Chezou, Dédéfion, c'était trop trop cool. Et en plus, c'est moi qui avais invoqué le plus de Nat 5, donc... C'était trop cool. Bon, hé, dernière ligne droite, là.
20 légendaires et ensuite les quasi 50 Dark and Light. Allez, c'est parti. On a déjà 4 Nat 5 au compteur et pas n'importe lesquels. Hein. Attends, on a eu Tesha, Raki. Ah non, 5 5 Nat 5. Mais oui, j'oublie de compter Taranis. On a eu Tesha, Raki, doublon. Et là, on repart pour le moment avec Psamat, Masha et Taranis. Allez, level 1 légendaire. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut faire exploser ce compteur hein? Déjà 5 Nat 5. C'est insane. C'est insane. Allez. Allez, les légendaires, là. Le petit Perna, il est peut-être là, là. Il est peut-être là. Dans un vélin légendaire. Allez. Non. Bon, par contre, t'as du skill up, Covenant. Ouais. Bah, il en jouait, hein. Ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Allez. Orion, encore. Ouais. T'as réussi à le mettre, ton deuxième, à plus de 200 de speed, au fait? Non, non, de toute façon, c'est... Je peux l'avoir qu'à 160 en violon. Allez. Allez, là, s'il vous plaît, là, les légendaires. Oh, tu viens d'avoir c'est un doublon. Ah oui. Oh, c'est ton monstre, ça, mana. Je vais foutre une tiala. Mais attends, ça me fait plus mal du tout. Ah, il l'a, maintenant. Mais attends, je l'ai, alors. Maintenant, je m'en fiche. Ah là là, c'est la Tiana, 6ème Nat 5 dans cette summon, c'est monstrueux. Oh. Fermez les yeux, fermez les yeux. C'est clair. On a foutu de bons monstres aujourd'hui, c'est terrible, ouais. C'est terrible. Oh, ça va, t'as encore de quoi en faire, hein. Y a pas de problème. Ouais, t'as pas eu de monstres vraiment qui n'étaient vraiment pas jouables. Allez, 250. Et la prochaine, tu pourras en faire deux d'un coup. C'est ça. Allez, on a notre bénédiction. Il nous reste 10 vélins légendaires. Allez là. Oui, juste derrière. Oh, je le savais. Oh non. Oh, double doublon. Oh, double doublon. Non, arrête Jésus. Pourquoi? Mais j'avais dit quoi? J'avais call 2 Nat 5 sur les légendaires. Oh là là. Et le back-to-back de Nat 5 quand même là. Ouais. Oh, et en c'est plus, beau, c'est beau. J'avais jamais eu, pratiquement jamais eu de Snack 5 dans les Light, dans les vélins légendaires. Ouais, voilà. Et là, j'en ai pas mal, quoi. Ah oui, ce que t'as pas précisé. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça ferait mal si on fout une chasseresse. Hein. Ouais, peu importe, de toute façon, les deux vont partir. Hein. Après, ce que t'as oublié de préciser, Protect, c'est que celui qui t'a invoqué le premier Nat 5 des légendaires, c'était quand même moi. Hein, ton petit Vérad. Non, c'est... Bah, oui, c'est la deuxième, ça. Hein, ton petit Vérad. Et là, pour le coup, on va peut-être pas faire deux bénés. Ouais, on sait jamais, ouais. On va en faire qu'une seule, parce que tu peux aussi te servir des cristaux pour autre chose. Oh, vous vous rendez compte? Le titre de cette vidéo? Ivre, il fout de Masha. Ah, c'est terrible, je suis désolé, les amis. Voilà, cachez-vous les yeux, ne regardez pas la vidéo pendant 10 secondes. Voilà, je vous dis quand c'est bon, ok? Vous êtes assis, vous êtes cachés les yeux, ne regardez pas, hein. On fout du Masha, putain. Moi, j'ai juste j'ai juste une pensée pour les deux à qui t'as fait la semaine mardi. Là, t'as juste 6 Nat 5 sur une personne, quoi. Aïe, aïe, aïe. On est à combien là? 6, 7, 8? On est à 8 Nat 5? 7. Non, 7, 8. 7, 7, 7. 7, 7. 7, 7. 7 Nat 5. Vrai. Allez, et il y a encore de quoi. Il y a encore de quoi. Il y a clairement encore de quoi. Tu sais, Mana, je t'avais proposé, au cas où tu voulais, d'en faire 10 sur nos deux comptes, pas sur un seul compte. Ah, là, c'est... Ah, il n'y a plus de morceaux. Là, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est... Pff, des summons comme ça. C'est pas une bonne summon, là on est plus dans la bonne summon, là on est sur une summon, c'est n'importe quoi. Cette summon, c'est n'importe quoi. Oh là là, oh là là. Oh là là. Ah bah, c'est très bête, quoi. Un petit Jamir. Bah voilà, non mais le Jamir non, tableau, mais... tu te rends pas compte à quel point c'est fort, hein. Oh là là, putain, mais sérieusement, c'est... On sent que t'as envie de devenir président, ça se voit. Alors là, voilà, là, je crois que c'est plus... Voilà, j'ai même plus besoin de faire campagne, quoi, c'est évident. Là, c'est évident, là. Oh là là, 8 Nat 5, je vais en avoir à 0. 8ème Nat 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là?
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise les cristaux pour faire encore une béné? Ouais, on sait. Ok. Je pense qu'on va faire ça, ouais. Il reste 4 légendaires. Ah, j'y crois, allez. Ouais, c'est bon, tu veux pas 50 aussi des 25, c'est bon. Ouais, mais le truc, c'est que sinon, ça aurait pu servir à acheter d'autres choses, genre des runes, des meules, hein. Mais, ok. Ok, alors on prend une béné. Très bien. Oh là. Est-ce qu'on peut faire un 9ème? Du coup, j'ai 4. Fini en plus. J'ai tous les dragons maintenant. Légendaire. Oh ouais, t'as tous les dragons! Ouais. Oh, c'est insane! Oh, la belle famille de monstres là! Oh! Ah ouais, tous les dragons. J'avoue que t'aurais le Dark ou le Light, tu serais très bien aussi. Allez, allez. Allez! Mais tu vois, j'ai chopé du Cannon Girl moi. Ah, tiens, une petite China. Dernier vélin légendaire. Allez, on repart pas avec cette béné. Ah si, je crois qu'on repart avec. C'est pas grave. C'est pas grave, on est à 8 nats 5 dans cette monstrueuse summon. Et on va attaquer la dernière ligne droite, les Dark and Light. Oh, là aussi, ça va être énorme. Hein. Il y en a quasiment 50. J'en fais rarement autant. C'est vraiment des vélins qui sont tellement durs à invoquer, tellement durs. Combien d'étincelles tu préfères? Je veux pas faire de pronostic, c'est horrible. Il te manque des 3 nattes? Je crois pas. Ok. Bon, bah maintenant du coup on attend l'étincelle. Petit Varus, tiens, boum, pour le deuxième awake. Allez. Je l'ai déjà, parce que les 30 découvertes. Ça va être 33, 34 je crois. Ah, la pression est énorme là, hein, parce qu'on a fait une tellement belle summon. Oh. S'il n'y a pas d'étincelle sur tous ces... Dark and Light. 49, vous rendez compte? 49 Dark and Light. Moi je call 3 étincelles. Avec ouais, un centimètre. Pire, pour le moment... Pour le moment c'est plutôt 0. Oui mais c'est après, ça arrive après. C'est... Oh, putain, ces vélins je les déteste. Allez faut le temps là que je serai... Faut le temps que je se régule, tu viens de détruire le jeu là maintenant en fait. Wow. Tu viens de détruire littéralement le jeu. Putain, c'est vraiment... Putain, on vient de faire 18 vélins, pas une étincelle. Je déteste ces vélins, c'est vraiment la pire arnaque du jeu. Allez là! Allez, on y croit, on y croit. Oublie pas, jusqu'au dernier vélin, on oublie pas la... Ouais, sauf que là, on vient de faire la moitié, hein. On vient d'en faire la moitié. On n'oublie pas non, pas tout à fait encore, du ciel dark de lundi. Pas tout à fait encore. Voilà. Là, on en a fait la moitié, pas une étincelle. Hein. C'est vraiment... Tant d'économies. Ah, c'est ça. Ah, ah. Tant... Alléluia, merci Arène Jésus pour ce magnifique Louis. Ah bah tiens, qui serait donc? Bah c'est moi. Eh, c'est moi. C'est moi. Eh oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, mon prénom c'est Loïc. Et Loïc en breton, ça veut dire Louis. Ce monstre, c'est moi. Voilà. Si jamais, eh, montez-le, respectez-le, mettez-lui des bonnes runes. Voilà. Et ça me fera plaisir, ça me fera très plaisir. Bon super, on a eu l'étincelle, qui était pas HOH en plus. Eh, c'est beau ça. J'enverrai demain un message à Protec, il aura intérêt d'avoir monté 6 étoiles, full ruiné, full skill. Ouais, il va rester dans le stockage. Ouais. Quoi? Tu vas me laisser au stockage? Mais non. Allez, est-ce qu'on pourrait en avoir une vraie maintenant? Une vraie. On en a eu une, en défense, ok. GVG, moi. Mais est-ce qu'on pourrait en avoir une vraie étincelle? Heureusement que t'as quitté ta guilde, là, gros, parce que sinon, ils auraient pété un plomb. Allez, une vraie étincelle, s'il vous plaît. Ça fait mal, ça. Oh là 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 là, mais quel enfer! Après, t'as pas dit quelle note 5 tu voulais aussi, c'est normal qu'ils viennent pas. Ouais, mais il y a tellement des biens aussi que... Juste un, déjà, ça me ferait plaisir, oui. Déjà, tu vois. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien, ça c'est une belle étincelle. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, yes. J'en ai pas mal de sirènes là.
Ah bon, ça, ça fait plaisir. Une belle étincelle, une vraie belle étincelle Dark and Light sur 49 vélins. Franchement, c'était pas trop demandé quand même. Ah, j'ai eu peur. Hein. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Hein. 3, bah 2 maintenant. 3. Allez. Dernier vélin ! Eh ben non. Deux étincelles, on n'empêche. Hein. 49 vélins, deux étincelles. Hein. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Ouais. Ah. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je suis un peu dégoûté pour Light and Dark, mais après. Ouais, ça. Le reste, je peux rien. Je suis tellement gâté sur le reste. Quel summon, hein. Quel summon. Eclipse, c'est impressionnant. C'est vraiment rarissime des summons aussi monstrueuses. 8 nat 5 au total, hein. 8 nat 5, on en a gardé bah, finalement que 4, parce que bah, t'as déjà une grosse box et du coup on a eu des doublons, mais tu repars, regarde-moi ça, Psamat, Masha, Jamir, Taranis, bon bah Psamat, hein, Lead 33, c'est God tier, Masha, les Beast Riders sont toutes God tier, Jamir, c'est très très bien, surtout que tu as déjà Tableau et ça fait un combo excellent. Taranis, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Taranis ? Et sur tes Dark and Light, tu repars avec cette très jolie bêta. Beaucoup d'étincelles, beaucoup de catnates, beaucoup de skill up, du Covenant, de la Chakram, plein, plein, plein de choses vraiment monstrueuses summon. Monstrueuses summon. Vraiment des summon comme on en fait bah, très, très, très rarement quand même. Hein. Oh. Bon, je suis très content, je me suis aussi bien rattrapé de ce Sigmarus, hein, du Meldon. Ouais. Ça m'a fait vraiment très plaisir, c'était vraiment très très chouette. Et cette fois-ci, on va passer sur le compte de ton cousin et on va essayer de faire aussi bien sur son compte. Alors on croise les doigts, je te rends le tien et on est reparti. Allez, je te remercie. À tout de suite, ciao.